Alors, on ne sait pas, on est réservé sur le pronostic. Apparemment, le nerf n'est pas complètement exposé. Non, il n'y a qu'un point qui est exposé. Oui, pour le moment, on ne dévitalise pas. Bien sûr, espérons que tout se passera bien. Espérons. Elles sont ravissantes, vos tulipes. Ah, c'est le petit fleuriste du marché Mouton du Vernet. Vous voyez celui qui est tout en haut? Ah oui! Elles arrivent tous les matins directement de Hollande. 10 euros la pincée de 5 ans. Ah bon? Vous savez qu'il ne voulait pas dénoncer Ferdinand. Non, il ne voulait pas. C'était impressionnant de voir cet enfant qui n'avait plus de visage, plus de dents, qui refusait de parler. J'imagine. Il ne voulait pas le dénoncer aussi par crainte de passer pour un rapporteur auprès de ses camarades. Faut être honnête, Véronique, il n'y a pas que de la bravoure. Certes, mais la bravoure, c'est aussi un esprit collectif. Naturellement. Mais du coup, comment avez-vous obtenu le nom de Ferdinand? Oh, parce que nous avons expliqué à Bruno qu'il ne rendait pas service à cet enfant le protégeant. Et nous lui avons dit, si cet enfant pense qu'il peut continuer à taper sans être inquiété, pourquoi veux-tu qu'il s'arrête? Nous lui avons dit, si nous étions les parents de cet enfant, nous voudrions absolument être informés. Bien sûr. Oui, excusez-moi. Oui, Maurice, merci de me rappeler. Non, je vous le lis dans les échos de ce matin. Et vous avez d'autres enfants? Bruno, une sœur de 9 ans, Camille, qui est fâchée avec son père, parce que son père s'est débarrassé du hamster. Vous vous êtes débarrassé du hamster? Oui, mais ce hamster faisait un bruit épouvantable la nuit. Ce sont des êtres qui dorment le jour. Bruno souffrait, il était exaspéré par le bruit du hamster. Moi, à dire la vérité, ça faisait longtemps que j'avais envie de m'en débarrasser. Je l'ai pris, je l'ai mis dans la rue. Je pensais que ces animaux aimaient les caniveaux, les égouts. Non, pas du tout. Il était pétrifié, là, sur le trottoir. Ce ne sont ni des animaux domestiques, voilà, ni des animaux sauvages. C'est un sauvage. Espérer de lui une confession spontanée est irréel. Je suis désolé, je dois retourner au cabinet. Annette, tu restes, vous, moi, comme vous avez décidé. De toute façon, je ne sers à rien. La femme pense, il faut l'homme, il faut le père. Comme si ça servait à quelque chose. L'homme est un paquet contraint, donc il est décalé et maladroit. Je suis confuse, mais je ne peux pas m'attarder non plus. Et qu'il en parle, vous êtes sur retraite. Visiblement, vous avez des compétences qui nous font défaut. Nous allons nous améliorer. Entre-temps, soyez indulgents. Alors, on ne peut pas supporter bête. Je parle pour lui. Je parle pour Ferdinand. Vous avez bien compris. Assez long, encore 2 minutes. Oui, encore un petit café. Un café, je reviens. Moi aussi, alors. C'est pas votre question. D'abord, je m'en fiche, et puis, ce n'est pas le sujet. On ne peut pas rentrer dans ces querelles d'enfants. Ça ne nous regarde pas. Eh non. En revanche, ce qui nous regarde, c'est ce qui s'est passé malheureusement. La violence nous regarde. Moi, quand j'étais chef de bande en 7e, j'avais battu un combat singulier Didier Leblu, qui était plus fort que moi. Qu'est-ce que tu veux dire, Michel? Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. On ne parle pas d'un combat singulier. Les enfants ne se sont pas battus. Tout à fait. J'évoquais juste un souvenir. Il n'y a pas une grande différence. Ah si, permettez-moi, monsieur, il y a une différence. Ah oui, il y a une différence. Laquelle? Avec Didier Leblu, nous étions d'accord pour nous battre. Vous l'avez arrangé? Absolument, un peu, oui. Bon, oublions Didier Leblu. Ils sont terribles, ces labos. Hein. Profit. Vous n'êtes pas censé partager ma conversation. Je vais l'avoir devant moi. Si, je suis tout à fait obligé de l'avoir ici, contre mon gré, croyez-le. Ils te font que leur camelote sans aucun état d'âme. C'est un drôle de métier quand même. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Michel, ça ne nous regarde pas. Un drôle de métier. Oui, et vous, vous faites quoi? Moi, je fais un métier ordinaire. Ah oui? Et c'est quoi un métier ordinaire? Je vends des casseroles, je vous l'ai dit. Ah oui, et des poignées de porte aussi. Oui, et des mécanismes de WC. Ah, c'est bien ça, ça m'intéresse, le mécanisme de WC. Alain? Eh bien quoi? Le mécanisme de WC me passionne. Mais pourquoi pas? Vous en avez combien de sortes? Alors, il y a deux systèmes. Oui. Ah, pour ça, vous avez... Ah oui, vous êtes tout pas. J'ai envie de vomir. Envie de vomir? Ben, j'ai du printemps. Non, ça va aller. Qu'est-ce qu'on pourrait... Ah, du coca. Du coca, c'est très... Ça va aller. Marchez un peu, faites oui. Quelques pas. Oui. Oui. Ah, parfait. Mais n'oublie pas, il n'y a aucune certitude. Attention, vous gourrez pas, si on se loupe là-dessus, Maurice sort dans 15 jours, et nous... Ah, ça suffit maintenant, attendez. Sois avec nous, merde. Oui, tu me rappelles pour me le lire. Mais qu'est-ce qu'il prend de prix comme ça? T'es folle, Serge, j'ai tout entendu. Tant mieux. Ça fait chier ce portable tout le temps, là. Écoute, Annette, je suis déjà bien gentil d'être ici. C'est extravagant, je vais vomir. Mais non, tu ne vas pas vomir. Ah si. Vous voulez l'autre lettre?
Personne ne t'oblige à rester. Non, personne ne l'oblige à rester. Ça tourne. Et regarde un point fixe, Toto, regarde un point fixe. Toi, laisse-moi, hein. Il faudrait mieux qu'elle aille aux toilettes quand même. Il va aux toilettes si tu dois vomir. Mais t'as l'huile de préférence. Ça peut pas être foutu quand même. Il est d'hier. Ne me touche pas. Ferme-toi, Toto. Oh, non, alors, je s'est chauffé. Mon mari, tout ce qui est maison, école et jardin est de mon ressort. Mais non. Si. Non. Je comprends. C'est mortel tout ça. C'est mortel. Bah, si c'est tellement mortel, pourquoi mettre des enfants au monde? Le passé va chercher le passé, vite, vite. C'est stupide, tu aurais dû aller aux toilettes, c'était pour pas lui. Ça ne peut pas être le clafoutis, c'est sûr que non. Ah non, 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 c'est nerveux ça, c'est une crise nerveuse. Ah, vous voulez aller vous nettoyer dans la salle de bain? Oh là là, mon cocochka, mon Dieu. Bon, elle est où la salle de bain? Je vous montre. C'est nerveux, ça. C'est une crise nerveuse, Annette. Vous êtes une maman, que vous le vouliez ou non. Je comprends que vous soyez angoissée. Hein? Moi, je dis, on ne domine pas ce qui nous domine. Chez moi, ça se met dans les cervicales, le blocage des cervicales. Qu'est-ce qu'on va faire avec le cocochka? Moi, j'assainirai avec du monsieur propre. Le problème, ça va être le séchage. Ou alors tu nettoies avec de l'eau et tu mets pas de parfum. Du parfum? Oui, prends mon courant, je l'utilise jamais. Mais ça va te brûler? Non, mais on en aurait toutes ces genres et on l'aplatit avec d'autres livres par-dessus. Oh là 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 là, je vous le rachèterai. Mais il est introuvable, je l'ai épuisé depuis longtemps. Je suis navré. Mais non, on va le récupérer. Laisse-moi faire, Véro. Va chercher le séchoir et le courant. Monsieur, enfin. Alain. Alain. Nous n'avons pas d'atome crochu, vous et moi. Pas vraiment, non. Mais voyez, je vis avec un homme qui a décidé une bonne fois pour toutes que la vie était médiocre. Mais il s'en tape complètement. On a besoin de croire. Croire à une correction possible. C'est la dernière personne à qui tu peux raconter tout ça. Mais je parle à qui je veux, même. Mais qui nous fait chier encore? Allô? Ah, maman. Ah, oui, il va bien. Il est édenté, mais il va bien. Non, mais vous avez raisonné trop. Je ne sais pas à quoi servirait l'existence sans une conception morale du monde. Voyez ma vie. Tais-toi. Moi, je n'ai aucun lieu. Je n'ai pas l'intention d'en avoir. Moi, je dis, le couple, l'épreuve la plus terrible que Dieu puisse vous appuyer. Parfait. Le couple et la vie de famille. Évidemment, vous n'êtes pas censé nous faire partager vos vues, Michel. Je trouve ça même un peu indécent. Bon, oh, ça ne le gêne pas. D'accord. Ces considérations sont hors de propos. Alain, dis quelque chose. Il a le droit de penser ce qu'il veut. Il n'est pas obligé d'en faire la publicité. Oui, peut-être. On s'en fiche de leur vie conjugale. On est là pour régler un problème d'enfant. Oui, mais enfin... Enfin quoi? Eh bien, c'est lié. Mais c'est lié, mais bien sûr que c'est lié. Il y a notre vie conjugale. Évidemment. Non, là, on vous suivra. Remercier la proposition et admirer la situation où nous sommes. Les enfants absorbent notre vie. Il y a des agréas, c'est une loi. Quand tu vois les couples qui s'embarquent en riant dans le matrimonial, tu te dis, ils ne savent pas, ils ne savent rien, les pauvres. Ils sont contents. Ils disent qu'il y a des hommes de bon qui nous restent avant le cancer, tu vas te faire chier avec un homme. Je ne sais pas ce que vous dites. Ils le font, mais bien sûr que je le pense. Je pense même pire. Vous vous avilissez, Michel. Ah bon? Arrêtez de pleurer, Véronique, vous voyez bien que ça le galvanise. Ah, allez-y, allez-y, hein. Exceptionnel. Ah, exceptionnel. Merci. Merci. Je ne suis pas tout moi, de conversation. Véronique, moi, je crois au dieu du carnage. C'est le seul qui gouverne sans partage depuis la nuit des temps. Vous vous intéressez à l'Afrique, n'est-ce pas? Ça ne va pas? Ne t'inquiète pas de moi. Si. Tout va bien. Mais... Ah non! Non, aucune interview avant la diffusion du communiqué, mais non. Monsieur, je vous sors d'interrompre cette conversation éprouvante. Mais, les actionnaires s'en foutront. Rappelle-lui la souveraineté des actionnaires, c'est principal dans cette affaire. Mais Annette, vraiment ça. Annette. 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 Non, mais c'est comme un enterrage, vous êtes perdus, merde. C'est chaud, c'est chaud. Non, mais c'est le centre du pareil, c'est tout là-dedans.
lieu des quatre, au lieu du maire, au lieu du député. On ne fume pas dans une maison où un enfant est asthmatique. Qui est asthmatique? Notre fils. Vous avez bien eu le saloperie d'Amster. Ah, c'est vrai qu'un animal n'est pas recommandé quand on est asthmatique. Ça, pas du tout recommandé. Même un poisson rouge peut s'avérer contre-indiqué. Qu'est-ce qu'on s'emmerde dans la vie? Voilà. Qu'est-ce qu'on décide? Je reviens ce soir avec Ferdinand ou pas? On laisse décider. On a l'air de s'en foutre. On est quand même là pour ça, je vous signale. Oh, maintenant c'est moi qui vais avoir un malaise. Ou la cuvette. À mon avis, il y a des torts des deux côtés. Vous êtes sérieux? Pardon? Vous pensez ce que vous dites? Ah oui. Notre fils, Bruno, à qui j'ai-tu donné toutes ces ferragots qu'on est inés hier soir à temps? Il n'est pas forcément innocent. Foutez le camp! Je vous ai tenu! Foutez le camp! Alain! Qu'est-ce qui se passe? Ils sont déchaînés? Non, non, elle est déchaînée! Alain, au secours! Ah, Alain, au secours! La mère! Mais parce que vous êtes partie de la même espèce, les femmes, la même catégorie, les femmes solutionnantes. Ce n'est pas ce qu'on aime chez les femmes. Ce qu'on aime chez les femmes, c'est... la sensualité, la folie, les hormones, les gardiennes du monde, celles qui font état de leur clairvoyance, nous rebutent. Et même lui, votre mari, ce pauvre Michel, il est rebuté. Vous ne parlez pas en mordant. On se fout complètement de ce que vous aimez chez les femmes. Vous êtes un homme dont on se fout royalement de la vie. Et elle hurle. Elle ne hurle pas quand elle dit que son petit colère a bien fait de cogner le nom. Mais il en a fait. Au moins, on n'a pas un petit pédé qui s'écrase. Vous avez une balance, Seigneur. On s'écrase. C'est le pire jour de ma vie, à moi aussi! C'est à vous! Merci! Yeah.